GeoTrend, c'est l'histoire de deux amis, deux anciens ingénieurs d'Airbus Defence and Space, où pendant plus de 10 ans, nous avons travaillé sur des projets innovants. Nous sommes passionnés d'innovation et d'entrepreneuriat. C'est pourquoi à l'époque, nous nous challengeons sur nos idées. C'est à ce moment-là que nous avons développé le premier prototype dans notre garage. Nous avons proposé notre solution au BizLab d'Airbus et nous sommes devenus intrapreneurs. Nous avons présenté notre business au top management d'Airbus qui a validé l'opportunité de nous laisser créer notre start-up. Lorsque vous faites des études sur vos marchés, vous passez facilement 80% de votre temps à chercher de l'information. Et les 20% restants sont dédiés à l'analyse. Chez GeoTrend, nous voulons inverser cette tendance. Grâce à notre plateforme SaaS et notre intelligence artificielle, nous vous apportons les informations utiles dont vous avez besoin. Quelles sont les entreprises, quelles sont les technologies, dans quelle région du monde, depuis combien de temps, etc. Avec toutes ces informations, vous aurez de quoi réaliser vos analyses pour gagner vos futurs contrats. La première application serait la connaissance générale du marché. Découvrir quels sont les acteurs, les technologies qu'ils utilisent, où est-ce qu'ils se situent, les relations qu'ils ont entre eux par exemple. La seconde application, ce serait d'identifier des partenaires. Par exemple, si vous avez besoin de vous exporter dans un pays que vous ne connaissez pas. La troisième application servirait surtout à faire de la veille technologique. Découvrir quelles sont les technologies, qui les utilisent et comment. La quatrième, ce serait pour découvrir de nouvelles opportunités sur le marché, des choses que vous n'auriez pas repérées en temps normal. La dernière consiste à repérer les synergies entre différents marchés. Par exemple, identifier les acteurs présents dans plusieurs marchés. Quand l'utilisateur va taper une requête, on va chercher les pages web correspondantes à ces mots-clés, on va extraire le texte et le préparer à l'étape suivante. Elle consiste à appliquer des algorithmes de machine learning sur le texte préalablement préparé. Dans notre cas, on apprend à la machine à détecter des acteurs économiques, des technologies, des relations qui existent entre ces acteurs, des dates, des lieux, etc. La particularité de GeoTrend, c'est que cette détection se fait sans a priori, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'une liste préalable d'acteurs ou de technologies. Ces résultats sont envoyés à l'interface graphique pour que l'utilisateur puisse interagir avec les informations retournées. La spécificité de GeoTrend est que quand un utilisateur recherche une information, on a plusieurs milliers de machines qui vont aller rechercher dans tout Internet les informations qui lui sont pertinentes. Ce qui est intéressant, c'est de gérer des pics de connexion. Quand plusieurs utilisateurs demandent en même temps des milliers d'informations concernant des marchés différents, c'est là que nos machines doivent s'activer instantanément et répondre avec des informations utiles. Le but de cette intelligence est de sélectionner l'information utile à partir d'une masse d'informations confuses. Nous utilisons les fonctionnalités des navigateurs Internet modernes pour présenter de façon dynamique et intuitive cette information. Et nous mettons l'accent sur la fluidité de navigation et la rapidité de l'interface. Peu de plateformes sont aujourd'hui capables d'analyser le web en temps réel tel que le fait GeoTrend, et c'est avant tout grâce à son équipe motivée qui utilise des outils à la pointe de la technologie.